Maintenant, pour la deuxième partie, nous entamons la soirée avec souffrir de ses émotions. Les gens, au cours de leur vie, évidemment, ont supporté des transformations et changé assez rapidement dans certaines occasions. Et les émotions sont toujours une source de pensée ou de réflexion. Bernard, l'individu qui est pris avec des émotions, quelle en est la source, quels sont les éléments qui déclenchent en lui la pression du corps émotionnel ou de tout ce qui touche finalement sa pensée autour d'une émotion? Qu'est-ce qui donne à l'individu ou qu'est-ce qui pousse l'individu à souffrir ou à vivre une émotion? La mémoire. Essentiellement. Oui. La mémoire, c'est la force, c'est la dynamique dont se sert l'émotionnel, dont se sert le corps émotionnel, pour fouetter les pensées. Et toujours mettre en évidence l'aspect négatif de l'être. La mémoire, c'est une... La mémoire, c'est une... La mémoire, ça fait partie du mensonge cosmique aussi, chez l'homme. Mais à des niveaux tellement naïfs que l'homme s'en rend pas tellement compte. Mais le phénomène mémoriel chez l'être humain, en ce qui concerne l'émotivité, c'est définitivement le point de rencontre des forces occulte de sa conscience, qui crée en lui de la souffrance. Est-ce que vous diriez qu'une absence de mémoire créerait une absence d'émotion? L'absence de mémoire crée l'absence d'émotion, oui. Donc, quand on souffre émotivement, on est placé devant une mémoire, et est-ce que ces mémoires-là ont leur source dans un aspect d'expérience individuelle ou dans une expérience à caractère collectif? Ça dépend de l'expérience. Il y a des expériences qui sont... Il y a des expériences où la mémoire va être utilisée au niveau collectif. D'autres expériences où la mémoire va être utilisée au niveau personnel. Mais c'est toujours le même phénomène. La mémoire va toujours faire ressusciter dans la conscience humaine des énergies qui vont fouetter le mental en utilisant l'émotion, c'est-à-dire le facteur incontrôlable, explosif de l'événement qui choque d'une façon ou d'une autre l'ego. Est-ce que la puissance de la mémoire est proportionnelle à l'impression que l'individu a d'avoir fini ou terminé ou finalisé une expérience dans sa vie? En d'autres termes, est-ce qu'on garde en mémoire, et évidemment pour l'impact émotif, là, est-ce qu'on garde en mémoire strictement les expériences qu'on considère ne pas avoir terminées ou finalisées? Tout se garde en mémoire, seulement qu'il y a des choses dans la mémoire qui sont soulevées. Le phénomène de la mémoire, c'est un peu comme un phénomène de vernis. T'as des couches, puis t'as des couches, puis t'as des couches, puis t'as des couches. Bon. Plus l'homme est conscient, plus c'est difficile pour lui de vivre des couches de mémoire réellement profondes. Puis plus il va vivre en surface de mémoire. Puis un homme là qui serait réellement très, 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 très conscient, là, il ne vivrait même plus des dernières couches du vernis. Il vivrait dans un autre mental, dans une autre dimension du réel. Donc, pour l'homme, la mémoire, c'est une invention et une réinvention constante de l'astral, c'est-à-dire que les courants astraux de sa conscience sont constamment à l'œuvre pour créer en lui de la souffrance, pour faire en sorte que l'ego prenne une certaine conscience. Seulement que cette conscience-là, l'ego la vit de façon passive, il ne vit pas de façon créative.
active. Pour que l'homme en arrive à passer du stage de la mémoire purement réflexive à l'élimination de cette mémoire réflexive, là, pour entrer dans la grande mémoire cosmique, il faudra que l'homme en arrive à ne plus mettre aucune valeur dans tout ce qui est d'émotion rattachée à du mémoriel. Si je comprends, là, vous dites qu'une personne qui vit une émotion donne une valeur à une mémoire. Oui. OK. Ouais. Quel est le mécanisme qui crée cette valorisation d'un passé? C'est l'astral. Mais c'est l'ego qui l'accepte. Je vous donne un exemple. Vous avez une petite fille là, qui tombe en amour la première fois. Bon, son chum la laisse. Elle vit une crise. Si cette petite fille-là avait été éduquée en fonction de cet événement-là par ses parents pendant des années de temps, quand l'événement se serait produit, elle aurait passé par-dessus, comme une page d'un livre. Tandis que là, la petite fille, elle va vivre le choc de l'événement, le choc astral de l'âme. Éventuellement, elle va passer par-dessus, puis elle va se faire un autre job. Bon, mais c'est toujours comme ça dans la vie. L'homme n'a pas été éduqué en fonction de la nature des lois événementielles qui frappent le psyché. Donc, quand il se produit quelque chose, l'homme vit toujours le choc, le feu, comme quelqu'un qui meurt. Mm-hmm. T'as beau dire, ta mère meurt demain matin, là, ta grand-mère meurt, ou ta tante meurt demain matin. Mm-hmm. Bon. Ça va au salon mortuaire, vraiment. Elle est étendue, là. Qui c'est que ça? C'est pas elle, c'est toi. C'est toujours le vivant qui est le con dans l'affaire. Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce qu'on souffre? Parce qu'on vit du mémoriel par rapport à l'émotion qui utilise notre mémoire pour astraliser notre conscience, pour nous faire penser émotivement à un lien brisé, à un lien perdu, à un amour perdu, ainsi de suite, whatever, là. Parce que la bonne femme est là-bas, puis elle rit, elle. Puis nous autres, on est titres, on pleure. C'est tout de l'envers. Mais la valeur que l'on donne... Si tu t'en vas au salon, puis tu pleures pas, tu regardes ton cousin, il va dire, il est bien bête. La bonne femme est morte, tu pleures pas. Il est-tu drogué? T'sais? Fait qu'on dirait que l'homme n'est pas capable de vivre le choc de l'expérience sans émotion. Parce qu'il vit le choc d'expérience en fonction de la mémoire, des mémoires, que l'émotion va faire surgir en lui. Ça, c'est astral. Mm-hmm. Fait qu'on souffre de tout. Donc, on se fait astraliser sur tout ce qu'on donne la valeur. On se fait astraliser sur tout ce qu'on met de la valeur. Ouais. Mais là, ça a beaucoup de conséquences de ne pas donner de valeur à quelque chose, là. Ça veut pas dire que tu ne mets pas de valeur à quelque chose. Ça veut pas dire que la bonne femme qui est dans le cercueil, tu ne mets pas de valeur dedans. Il y en a une valeur. Mais une valeur de quoi? C'est une valeur, là. Et sur l'autre plan. Fait que, tu lui donnes sa valeur sur l'autre plan. Si tu lui donnes sa valeur qui est l'autre plan, c'est ton affaire. Bon, si tu vas, ma belle-mère, elle meurt, elle y aller, puis je dis, bon, mais va-t'en, là, l'offre-moi, laisse faire ses sites, là, va-t'en, là, va-t'en ses plans, là, trouve-toi, là, dépendant de son cas. Moi, il parlait. Bon, comme les Tibétains font. Ouais. Je suis un poésite, pas content. Bon. Mais nous autres, c'est le contraire. Les mouchoirs, puis là, tu me dis, tu as été bonne pendant notre vie, assez de s'occuper de nous autres. Tu sais? Tu fait que, moi, ma mère, je me rappelle quand même, mon grand-père est mort, elle s'est achetée dans la tombe avec, une crise. Elle s'est achetée dans la tombe. Elle était pas parlant de choc. Là, bien vite, il y en a qui va mourir. Elle va se rejeter dans la tombe encore, là. Fait que l'homme n'est pas capable de vivre le choc sans mettre de l'émotion dedans. Donc, automatiquement, il n'est pas capable de mentaliser l'événement, donc il l'astralise. Puis on fait ça tout le temps. Mais vous soulevez une question. Dans quoi peut-on mettre de la valeur? Est-ce que c'est dans un temps quelconque? Ou c'est dans une relation, c'est dans... C'est... Mettre de la valeur dans quoi que ce soit, c'est égoïque. On peut pas dans la vie... Un individu conscient ne met de valeur dans rien.
tu vas créer une valeur relative pour juxtaposer des événements en fonction des besoins que tu as d'eux. Point final. C'est strictement fonctionnel. C'est strictement créatif, donc fonctionnel, donc utile. Puis dès que l'utilité s'estompe, c'est fini, il n'y a plus de mémoire là-dessus. Bon, je me donner un exemple. Là, je ne le ferai pas parce que je ne fais plus ça, ces affaires-là. Si tu m'avais demandé à 20, la même question, il y a 5 ans, j'avais un sacré coup de pied sur la chaise, j'avais tout tombé sur terre. L'eau. C'est... Le pot, tout là-bas. Ouais. Autrement dit, j'aurais utilisé cette valeur-là pour expliquer quelque chose dans le temps. Okay. Là, je ne le fais plus, je suis fatigué. Bon. Dans le temps, on va faire comme. Comprends-tu? Mais quand l'homme est créatif, il crée une valeur dans une instantanéité en fonction de ce qu'il a besoin de faire ou d'expliquer. Okay. Là, si tu dis, bien, par là, Montréal, c'est pas bien poli de faire ce que tu viens de faire, un homme de grand salon comme toi. Je comprends. Mais là, ben là, c'était. Là, j'expliquais tout ça. OK. Donc, la personne qui en souffre, c'est pas la personne qui pose le geste, puisqu'elle. Se défait de la valeur. Mais la personne, elle, qui subit ou qui. C'est elle qui subit, puis celle qui met de l'émotion dedans. OK. C'est elle qui en souffre. Puis si elle a une personne qui a reçu le pot, puis qui s'est attaché sa robe, elle n'a pas de raison de donner de la valeur à ça. Elle va vivre une mémoire, elle va souffrir de ses émotions. Ouais. 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 Probablement. Excusez, mais c'était plus fort que moi, là. C'est parce que il y a des gens dans une expérience qui sont lésés. Et puis, ils ont beau vouloir effacer la mémoire de l'expérience, mais ils ont l'impression qu'ils ont comme, pas de revanche, mais quelque chose à régler. C'est souvent cet aspect-là qui fait que l'émotion... Oui, mais ça, c'est l'astral. C'est ça l'astral. Comment est-ce que tu vas. Comment veux-tu que l'homme ait la paix d'esprit s'il vit toujours ce mouvement-là entre l'astral et sa conscience humaine? Quand l'homme sera conscient, ou un homme qui est conscient, il ne peut pas vivre ça, ce mouvement-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu n'as pas de paix dans l'esprit. Mm-hmm. Puis c'est ça que l'astral fait. L'astral, c'est l'effort contre l'homme. Fait par des forces dont il est totalement inconscient, mais qui font partie de son psyché, qui n'est pas encore identifié, qui, en somme, représente la sommation de son ego planétaire. C'est ça l'astral. Mm-hmm. Tandis que le mental, c'est la sommation d'autres forces qui font partie de son ego, mais cosmique, c'est-à-dire son ego universel, c'est-à-dire son mental pur. Puis ces forces-là, représente pour l'homme qui viendra sa nouvelle destinée. Pendant l'évolution, l'homme a développé un ego planétaire pour se grounder, pour entrer dans la matière, la connexion avec l'âme, le corps. Dans l'évolution, l'homme développera un ego totalement transparent, totalement haut, qui fonctionnera selon des lois d'énergie totalement différentes de ce qu'on a connu pendant l'évolution. Mm-hmm. Autrement dit, ça sera réellement la transmutation de l'ego humain. Mm-hmm. Mais l'évolution de cet homme conscient-là, en tout cas pour avoir baigné dedans assez longtemps, on peut être interprété par beaucoup de gens, en tout cas comme étant une froideur assez particulière. C'est une interprétation, c'est subjectif. C'est subjectif. Les gens qui vivent de cette nouvelle énergie ont, semble-t-il, en tout cas une rapidité à trancher dans certaines situations qui occasionnent, en tout cas pour leur environnement, des certains problèmes de comportement ou d'adaptation. Oui, mais ça fait partie de l'évolution de la conscience dans ce domaine-là aussi. Dans la mesure où l'homme va prendre conscience de ces nouvelles forces-là dans son être, il va apprendre à traiter avec elles en fonction de son propre ajustement. Tu peux pas rentrer dans une nouvelle conscience puis tout savoir tout de suite. Mm-hmm. Une nouvelle conscience, c'est comme des champs. Il y a une petite affaire là, une petite affaire. Fait qu'avec le temps, t'apprends, tu découvres, donc tu t'ajustes, puis avec le temps, mais tu deviens normal. Comme tu étais avant, mais. Mais, attendez une minute là, normal. Normal dans le sens que. Anonyme. Moi, je me considère normal aujourd'hui.
Je dis pas que j'ai toujours été normal le même, là, parce que j'ai pas pu toujours réellement contrôler ces énergies-là. Mais aujourd'hui, je me considère normal. Je suis capable d'aller dans un bar puis prendre un petit verre. Je suis capable d'aller danser du gogo. Je suis capable de faire disparaître complètement là, le personnage de Bernard Montréal, là, complètement. C'est ça que j'appelle normal. Autrement dit, si tu me rencontres quelque part dans un bar, mais je vais parler du hockey. Je ne sais même pas qui je suis. Je suis capable de ne pas parler de ce que je sais. Je suis capable de retenir tout ce que je sais. Est-ce que les gens vont penser même que vous avez des émotions? Oh, je suis capable d'en créer des émotions. Les gens m'ont déjà vu pleurer à la télévision. Ouais. Mais ça, c'est créer des émotions ou c'est ça, vivre c'est créer des émotions? Ça, c'est créer des émotions. Vous ne vivez pas d'émotions? Non. OK. Non. Je ne peux pas le faire comme je veux. Il y a des mandats. Mais quand je pleure à la télévision, c'est parce que... Quand je suis à la télévision, c'est parce que je veux faire passer une vibration que je ne serais pas capable de faire passer avec des mots. Okay. C'est encore de la créativité. Okay. C'est un processus exclusivement créatif. L'individu qui développe son état de conscience, donc élimine sa souffrance de ses émotions, donc recherche un état particulier, quelle est l'étape qu'il doit franchir pour savoir qu'il a toujours la capacité d'éliminer cette souffrance, donc cette mémoire? Quelle est l'étape qu'il doit franchir, là, qui est vitale, qui est fondamentale, pour savoir qu'il est toujours capable de trouver une solution pour éliminer les émotions dans sa vie? Je te pourrais dire dans le mental, là, mais dans son ensemble. Une question intéressante. Il va être amené éventuellement par la vie ou par son expérience à devoir reconnaître une sorte d'intouchabilité dans le sens émotionnel. Est-ce que c'est en se libérant, exemple, du sentiment de culpabilité face à lui-même? Définitivement. La culpabilité, il n'y en aurait plus. Ni face à d'autres, ni face à lui-même. Ah, la culpabilité. Non. Parce qu'on se fait rattraper par la mémoire, souvent, par cette dimension-là. Ouais. Je calcule que la culpabilité, c'est le poteau autour duquel l'énergie de l'émotion monte. L'énergie de l'émotion, elle monte autour d'un poteau. La culpabilité, c'est le poteau. Ça va tellement loin, la culpabilité, là. J'aimerais ça un jour d'écrire un livre, ça. Si jamais j'ai le temps, là, voir ce qu'il y a là-dedans. C'est bien normal. La culpabilité, là, c'est tellement occulte, mais tellement occulte qu'un homme qui n'aurait pas de culpabilité, à aucun niveau, il serait instantanément dans le savoir. Instantanément. Ah. Je veux dire pourquoi. Parce que quand tu n'as plus de culpabilité, tu rejettes tout ce que tu veux. Inévitablement. OK. Donc, tu revois tout ce que tu veux. Tu gardes tout ce que tu veux. Tu regardes tout ce que tu veux, tu fermes les yeux sur tout ce que tu veux, tu es libre par rapport à d'autres, par rapport à tout ce que je viens de dire. Puis après ça, tu recommences. Après ça, tu conçois tout ce que tu veux. Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas avoir la culpabilité pour concevoir tout ce que tu veux. Si tu as la moindre culpabilité, tu ne seras pas capable de concevoir tout ce que tu veux. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui va te retenir. Là, c'est plus une affaire de « je suis capable, je suis pas capable, je suis pas capable ». C'est une affaire d'énergie. Tu n'as pas la vibration pour la faire. Quand je dis « concevoir ce que tu veux », faut que tu sois pas mal libre de culpabilité. Parce qu'à ce moment-là, là, tu commences à détruire le temple de Salomon. Quand tu commences à détruire le temple de Salomon, tu commences à reconstruire le temple invisible des Melchisédek. Ça, ça veut dire que tu deviens sur la terre prêtre, prophète, initié. Ça veut dire que les vertus de ta conscience font partie de la gloire de la civilisation future qui t'amène éventuellement à représenter pour une planète en évolution les règles que les anciens ont connues, comme dans le temps de Moïse, par exemple, les 10 commandements. Fait que ça va loin l'affaire. J'aimerais ça parler de ça avec Payotte. Mais fait que, je te parle de ça de même en passant, là, parce que je ne veux pas rentrer dedans. Je veux simplement dire que
la culpabilité, c'est le sublime poison que utilise l'astral pour empêcher l'homme d'être roi sur sa planète. Puis dans ce poison-là, l'homme est de toutes les essences, dont la croyance est ultimement le plus grand des parfums. Ça voudrait dire qu'un individu, exemple, de ne pas croire à une situation pour se sentir coupable. Automatique. Est-ce qu'on pourrait descendre? Tu places les hommes à différents niveaux de l'échelle sociale, raciale, ouais. Conscience. T'sais, quand même, on n'est pas tout au Québec. Ah ouais. Il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Afrique, il y a l'Italie, il y a tout le monde part. Fait qu'imagine-toi si c'est long l'évolution d'une planète pour en arriver à une conscience supplémentaire. C'est pas que ça prend 2500 ans, ça prendra 2500 ans, parce que ça va prendre des grands chocs pour réellement faire en sorte que l'homme prenne conscience qu'il y a beaucoup plus à la réalité que la nature psychologique de son savoir, basée sur les vertus personnelles de sa crédulité, nécessaire à la vitrification de son égo. Dans le tunnel de son... Comment ça s'appelle ça? De la... Comment ça s'appelle ça? La souffrance de l'émotion. On parlait de croire et pas croire. Là. Excusez, je ne peux pas vous apporter de support. J'ai perdu la mémoire. Quand on disait que... C'est qu'on disait? Quand j'expliquais quelque chose tout à l'heure, là, je disais... qu'il n'y a plus de culpabilité. Ah, c'est juste ça. Bon. Je savais. Ça va loin. Parce qu'un homme qui n'a pas de culpabilité, dans le sens, là, réellement... poussé, là. Mais j'ai une bonne question pour ça. Ah, OK. Une personne, disons, qui voit un proche dans ses vies, ouais. Quelqu'un de, je sais pas, sa femme, son mari, son enfant, qui se fait agresser et qui n'intervient pas pour une raison d'impuissance quelconque dans l'événement et qui se sent coupable après de ne pas avoir intervenu. Comment vous pouvez ne pas traiter avec la culpabilité? Ça fait partie de l'expérience d'art. Ouais, je comprends, mais... Le gars, là... C'est de la grosse mémoire. Le gars qui n'est pas intervenu, là... Ouais. Le gars qui n'est pas intervenu dans la situation, il était barré d'intervenir. Ouais. Il était empêché occultement d'intervenir. Il était empêché par ses propres forces d'intervenir. Mais ça, comment de fois vous avez été dans des situations de vie, surtout les hommes, là, le principe mâle, macho, là, vous avez été dans une situation de vie là, où vous avez vu une situation où vous auriez pu intervenir, mais vous aviez vécu une petite crainte et vous êtes parti. L'ego, lui, inconscient de toute la mécanique occulte derrière l'action, mm-hmm. Il a réfléchi à ça. Comme ça, il a dit, j'étais-tu peureux, j'étais-tu ci ou j'étais-tu ça? Puis dans le fond, c'est pas qu'il était peureux, c'est qu'il a été mis en lui de la crainte pour l'empêcher que peut-être ce sera fait qu'on s'en gueule, qu'on s'en mâchoire, peut-être tuer. Mm-hmm. Mais l'ego, lui, inconscient de ça, a tendance à se culpabiliser lui-même de ne pas s'être présenté dans l'action. Mais c'est quand même, l'individu donne quand même une valeur à un échange, à une relation, et le fait de voir se dégrader ou de voir perdre quelque chose dans l'équilibre de sa relation, vous ne trouvez pas ça normal qu'il se sente un peu comme lié ou attaché? Je ne dis pas que ce n'est pas normal, ouais. Je dis que ça fait partie de son expérience. OK. Je dis pas que c'est pas normal, je dis que ça fait partie de son expérience. C'est comme le gars qui devrait rentrer dans une action pour alléger le fardeau d'un autre. S'il n'y a pas de vibration, il n'a pas de vibration. Okay. S'il a de vibration, il a de vibration. Fait qu'un ou l'autre n'a pas plus de mérite. Donc, vous me dites fondamentalement qu'un individu conscient n'est pas là pour interpréter sa relation avec les autres, même ses plus proches. Il n'a pas à interpréter. Il a une vibration pour agir ou il n'a pas la vibration pour agir. Un individu conscient, il a une vibration pour agir ou il n'a pas. Ouais. C'est ça. Peu importe le niveau de son échange avec les gens. Ouais. Sans ça, tu subjectivises toutes tes actions.
Fait que si tu subjectivises toutes tes actions et tu comprends pas la mécanique occulte derrière tes actions, montre-toi pas pourquoi est-ce qu'on finit avec des sacs de Père Noël de culpabilité sur le dos. Il y en a, les gens, par exemple, qui vont dire, bon, je te donne un exemple. Un exemple que les psychologues connaissent, puis que même nous autres on connaît. Ça, c'est à un certain âge. Si t'en vas chez Eaton, il n'y a personne à un certain âge qui est allé chez Eaton, puis qui n'aurait pas voulu prendre une petite paire de pain dans l'oreille, puis la mettre. Chez Eaton. Sont là, les pains dans l'oreille. Ouais, ouais. De 12 ans, 13 ans, 14 ans. Tu vas apprendre, la mettre dans ta poche. C'est le fun, whatever it is. Mm-hmm. Compliqué. Mais cette expérience-là, c'est pas une touille, Capi. Il y en a des milliers de Montréalais qui sont allés chez Eaton et qui ont voulu en prendre des petites affaires. Dans la salle, c'est plein, ça. Comprends-tu? On ne peut pas le vivre. Pourquoi? Parce que ça fait partie du mouvement astral de la conscience humaine, ça fait partie de l'expérience de l'homme, ça fait partie de l'expérience de la prise de conscience des valeurs. Tu peux pas donner à un individu une valeur de non-vol s'il passe pas d'abord par le vol. Les grands, grands saints ont été des grands pêcheurs. Mm-hmm. Mais autrement dit, pour réellement apprécier le non-vol, il faut que tu l'aies volé une fois. Vous semblez parler de deux étapes. Laisse-moi finir un petit peu. Mais si tu n'es pas conscient de ça, si tu n'es pas conscient de la mécanique de ça, puis tu es un bon gars, puis tu viens d'une bonne famille, puis un jour, ben, tu prends quelque chose sur le balcon, sur le comptoir, puis tu ne demandes pas, ça peut durer des années de temps, ça peut se fatiguer pendant des années de temps. Tu vas vivre la culpabilité. Mm-hmm. Bon, bien, l'homme, il est de même. L'homme a fait toutes sortes de choses dans sa vie, puis il a toujours resté un petit peu avec la culpabilité de ça. Puis il n'y a jamais personne qui a dit, bon, ben ça, c'est une illusion. Ça fait partie de ta programmation, ton expérience de vie. Un jour, il faut que tu le fasses sauter pour aller plus loin. Bon, est-ce que je peux arrêter là? Oui. Est-ce que cet individu-là qui veut faire sauter ça doit rebalancer des actions dans sa vie? En ce sens que, là, je vois difficilement quelqu'un qui aurait volé des boucles d'oreilles en 1975, vouloir aller en racheter puis les replacer sur un... La question est très bonne. C'est pas nécessaire. C'est dans ta tête que ça se passe. C'est strictement une question d'état mental. Il n'y a aucun geste à poser. Non, c'est strictement dans ta tête. Parce que si tu fais le geste public de ça pour balancer ça, à ce moment-là, tu rentres dans une autre culpabilité. Dans quel sens? C'est une game que tu te joues. Il y a beaucoup de gens qui... C'est dans ta tête que ça se passe. Tu coupes, bon, c'est fini, bang, bang, bang. Je pense entre autres au Téléthon, là, où que les gens ont donné des montants quelconques pour des œuvres dites de charité. Là, okay? C'est beaucoup de gens agissent par culpabilité dans ces processus-là. Parce qu'ils se disent, eux, en meilleure condition, et ils vont dire... C'est la culpabilité? D'où ça naît, cette situation-là? Parce qu'ils ont une souffrance qu'ils partagent. Ça fait partie d'une sensibilité qu'ils ont par rapport à la souffrance du monde. Ça fait partie d'une certaine spiritualité, ainsi de suite. Puis ça aide le Téléthon, puis ça aide les hommes. Mais ça fait partie de leur expérience. OK, mais est-ce que ces gens-là vivent avec une mission dans l'esprit là, pour pouvoir agir dans cet état d'esprit-là? Ça fait partie de leur expérience. Ça fait partie de leur expérience. J'ai l'impression que I sound like Mickey Mouse. Mais ça fait partie de leur expérience. Mais c'est pas un choc. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que ça fait partie de leur expérience? Faire partie, quelque chose qui fait partie de ton expérience, c'est quelque chose qui fait partie de ton monde mental à toi. Ton monde émotionnel à toi. Ça fait partie de ton expérience. Tu peux pas mettre de valeur plus ou moins sur ça. Ça fait partie de ton expérience. Une personne ne peut pas dire, bon ben, ce que Ménard fait, c'est bon ou c'est pas bon. Ça fait partie de son expérience. Mm-hmm. L'homme, un jour, doit en arriver à plus vivre l'expérience. Okay. Fait que tant que tu es obligé, tu peux dire d'une personne, ça fait partie de son expérience. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre. Okay. Quand tu n'as plus rien à apprendre, ça fait plus partie de ton expérience. Donc, ça fait, tout ce que tu fais, fait partie de la créativité de ton mental. Tu ne peux plus vivre de culpabilité. Mais l'individu qui a à vivre un événement qui fait partie de son expérience, il traite ça comment pour purger ça, cette situation-là? Pour en arriver à vivre un état de conscience sans culpabilité, sans mémoire et évidemment sans émotion.
comment on purge ça. Pour passer d'un plan à un autre plan, là, il y a quelque chose qui se passe. Il va l'épurer, il va le souffrir, il va le voir la niaiserie de ça, il va se réveiller à ça. Ça va devenir évident. Self-evident truth. Okay. Ça va devenir évident. C'est pas un balancement simplement en comprenant quelque chose. Non. On balance pas un mémoriel. Ça devient évident. Je dis, dans mes séminaires, je dis... J'ai dit, une autre fois, je repasse encore. Là, je donne pas l'argent. Tu dis, non, mon rêve n'est pas bien généreux. C'est encore ton maudit problème à toi, parce que je sais comment est-ce que l'argent s'est poche. Comment tu dis? Fait que le problème de la culpabilité, il n'est jamais avec toi, et toi avec l'autre. Le problème de la culpabilité, c'est toujours... Il est toujours avec toi. Avec toi, point, ça s'arrête. Ah, définitivement. Le problème de culpabilité, sais-tu que la culpabilité, c'est une forme de paranoïa? J'ai expliqué ça un jour. Voyons, il y a une relation entre la culpabilité et la paranoïa. On ne peut pas en parler un petit peu à ce moment-là. Non, parce que je rentre là-dedans, là, ça n'arrête plus. Mais je te dis qu'il y a une relation entre la culpabilité et la paranoïa. Les gens qui sont très, très paranoïaques vivent beaucoup, beaucoup de culpabilité. On l'étudiera ça, c'est intéressant. Mais l'émotion qui se rattache finalement à la mémoire que l'individu a à vivre, moi, en tout cas, c'est comme l'affaire du vaccin dans la première partie, j'aimerais ça savoir comment on balance ça. Si l'individu, à travers l'exemple, une explication comme vous en faites, dit, bon ben là... Pour éliminer la culpabilité, tu vas avoir la... Ouais, le petit fil. Le petit fil? Ouais, ouais. Le fil d'Ariane. Faut développer une force intérieure pour ça. Pour éliminer de la culpabilité dans tous ses aspects. Parce qu'une fois que tu élimines la culpabilité à un petit niveau, après ça, tu vas l'éliminer à un autre niveau, puis à un autre niveau, ça va loin. Donc, l'élimination de la culpabilité amènera l'homme à l'élimination de toutes les culpabilités possibles et imaginables. Donc, ça amènera l'homme à finalement voir directement, face à face, les possibilités du mensonge cosmique dans sa conscience. Donc, ça nécessite une capacité chez l'être de vivre une certaine centricité. OK. Une certaine force intérieure, mentale. Une certaine conscience mentale. Il faut être fort. Il faut une certaine force. Parce que aussitôt que tu parles d'éliminer la culpabilité, tu parles d'éliminer des liens dans ta conscience. Des liens même qui sont vibratoires avec le mémoriel, qui peut faire partie du mémoriel personnel, ou qui peut faire partie du mémoriel collectif, ou qui peut même faire partie du mémoriel cosmique, et ainsi de suite. C'est un initié, par exemple. Il faut que ce soit cassé, ça. Moi, je le sais, je vis constamment en lutte avec les forces. Mm-hmm. Tout le temps. Même si mon initiation finit en 84, je vis en lutte avec les forces parce que j'ai trop conscience du fardeau que doit vivre la conscience humaine pour ne pas prendre conscience que ce fardeau-là est une illusion qui doit être totalement sautée avant que l'homme en arrive sur la Terre à avoir ses propres pouvoirs, ses propres capacités créatrices à tous les niveaux. L'homme ne peut pas se permettre de vivre le moindre assujettissement par rapport à l'invisible. C'est pour ça que l'élimination de la culpabilité dans sa conscience humaine, même si c'est un petit niveau, au niveau de la religion, au niveau chrétien, au niveau whatever, c'est essentiel. Tu ne peux pas rentrer dans le domaine mental de la conscience si tu traînes les bottines de la culpabilité. No way. Bon, j'ai la question qui vient avec ce que je veux encadrer, là. Un individu conscient, peu importe le niveau, est-ce qu'il a une responsabilité face à des gens ou à un environnement qui sont moins conscients que lui ou elle? Oui, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité, mais c'est pas tellement par rapport à l'extérieur de lui-même qui est le problème. C'est par rapport à l'intérieur de lui-même. Un homme qui est moindrement intelligent va prendre conscience du respect pour les autres. Donc, il va éliminer en lui-même la culpabilité, mais il va compenser avec l'extérieur, dans le sens qu'il va empêcher l'extérieur de souffrir trop le fait que lui peut agir d'une certaine façon où la culpabilité n'est pas présente. Mais la responsabilité, c'est une valeur. La responsabilité, c'est une valeur dans la mesure où toi, tu es capable de créer une valeur pour la responsabilité. Si tu n'es pas capable de créer de valeur pour la responsabilité devient inutile.
comment on peut vivre une responsabilité sans donner de valeur? Tu peux vivre une responsabilité sans y donner de valeur si la responsabilité t'est imposée de l'extérieur et qu'elle ne fait pas partie de ta conscience créative. À ce moment-là, ta responsabilité que tu vis est une imposition extérieure à ta conscience et elle t'enlève de la valeur pour en créer une qui est psychosociale et qui t'en enlève de la valeur. Okay. Vous voulez dire, là, je fais un résumé, là. Vous voulez dire qu'un individu qui se donne une responsabilité ne sent pas de valeur, mais que si on lui impose une responsabilité, ou si on lui suggère une forme quelconque de responsabilité, on lui impose à ce moment-là une valeur, et là, il peut vivre de la mémoire. C'est ça? C'est ça. OK. Question qui suit avec ça. L'individu qui est conscient, est-ce qu'il a la possibilité de changer ses responsabilités, ou si ça lui est imposé cosmiquement, sa responsabilité? Ça dépend de sa conscience. Ça dépend de sa conscience, ça dépend de son niveau de conscience, ça dépend de son niveau de fusion, ça dépend de son niveau d'intégration, ça dépend de son niveau de souffrance, ça dépend de son niveau de souffrance. Ça dépend jusqu'où il en est rendu dans sa conquête de l'occulte des forces. Jusqu'où il en est rendu à s'être libéré de l'occulte des forces pour avoir établi un équilibre entre l'occulte des forces et sa personne. Jusqu'où la fusion est réellement perfectionnée. Jusqu'où la fusion est plus une imposition de la lumière sur ses corps subtils, mais où la fusion est en équilibre avec son être. Jusqu'où, autrement dit, là, il est prêt à passer d'un espace-temps à un autre au niveau du mental. Jusqu'où il est prêt à rencontrer les maîtres de l'éther. Il y a bien des conditions. Mais ce jusqu'où-là, est-ce qu'il se mesure par la capacité corporelle, physique, de supporter son état de conscience? Il se mesure par la capacité corporelle, physique, oui, parce que son système nerveux est très ajusté au niveau vibratoire à ses corps subtils. Donc, il y a une relation entre les corps très denses et les corps très, très subtils de son être. Ça va tout ensemble. Okay. La seule chose, c'est que les corps subtils vont avoir précédence sur sa conscience. Les corps subtils, surtout le mental, vont avoir précédence sur sa conscience, même sur sa conscience physique. Dans le sens qu'il n'y aura pas d'espace entre la puissance mentale de totaliser sa capacité d'énergiser son corps matériel. OK. Je me cherche un thermomètre là, pour mesurer là où l'individu a, dans un sens, un peu comme le droit de se libérer d'un sentiment de culpabilité, là, entre guillemets. Est-ce que son corps, lorsqu'il souffre d'une émotion, quand son corps a suffisamment encaissé de souffrance, est-ce que c'est à partir du corps que l'individu dit « c'est assez, ça arrête ici, je ne veux plus vivre aucune mémoire, aucune responsabilité, aucune culpabilité face à tel événement? » Est-ce que c'est à partir du corps? Oui, en général, oui. Mais c'est jamais avant? Non. Parce que l'homme, pour comprendre quelque chose, a besoin du toucher. Puis c'est le corps. Dans le corps physique, il touche plus. Si... comme quand vous êtes à l'affaire, par exemple, puis vous avez des stress, mais éventuellement, mais vous faites de l'acide. Donc là, tu prends un break, tu commences à la Miami, tu sais. Mm. Mais tant que tu ne fais pas d'acide, tu n'as pas de raison de continuer à faire les affaires à un certain rythme. C'est le même que c'est. Donc au niveau de l'émotion, c'est la même affaire. Il faut le vivre dans le corps, cette émotion-là. Puis éventuellement, quand on l'a assez souffert, là, on le fait sauter. OK. Donc, la relation entre la maladie et l'émotion est finalement très étroite. Très étroite. Ouais. Et est-ce que la maladie peut servir à une prise de conscience chez l'individu pour épurer cette culpabilité-là? Oui. Donc, l'effet de culpabilité qui fait souffrir l'individu, est-ce que ça peut se loger à bien des dimensions? Une personne me posait la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut souffrir émotionnellement dans le sens du plexus ou... c'est ça, du plexus solaire, ou s'il y a des gens qui souffrent dans le mental. Est-ce qu'il y a deux niveaux? Vous pouvez souffrir dans le mental, vous pouvez souffrir au niveau du plexus solaire, puis il y a des gens qui souffrent même au niveau du dédoublement astral. Dédoublement astral. Non, c'est long. Mais la chose qui est importante au niveau de la culpabilité, c'est de comprendre, puis l'homme le comprendra un jour, ça devient évident une fois qu'on a une certaine conscience, mais la culpabilité, c'est l'équivalent de la partie mentale
c'est l'équivalent de la partie mentale de tout ce qui est dans l'homme luciférien. Quand vous dites luciférien, est-ce que vous parlez, vous faites référence au mal dans le sens... Je parle pas le mal dans le sens moral du terme. Je parle du mal de l'homme. Tout ce qui empêche l'homme d'être libre, créatif, conscient, tout ce qui empêche l'homme d'être libre, créatif, lumière, tout ce qui empêche l'homme d'être, de passer de l'involution à l'évolution, tout ce qui empêche l'homme de sortir du flux de son inconscience, pour sortir dans le reflux de sa conscience. Tout ce qui empêche l'homme de se manifester. Tout ce qui empêche l'homme d'être réel, ainsi de suite. Mais ça, c'est relié à la culpabilité. C'est très grave, la culpabilité. Je suis sûr que si j'écrivais un livre sur la culpabilité, je pourrais écrire une brique dans la... Il serait lu. Ça serait extraordinaire, parce que le monde mental, c'est seulement le monde mental, c'est à travers les yeux du monde mental que tu peux voir le monde astral. Tu peux pas voir le monde astral à travers les yeux astraux. Faut que tu ailles dans le monde mental, puis là tu regardes le monde astral de la culpabilité. Puis là tu vois des choses extraordinaires, parce que c'est là que tu t'aperçois que l'homme a été un être manipulé à travers ses sentiments, donc ses émotions, pendant des millénaires. Puis c'est ça qui a créé la fabrique, la couleur de nos cultures, de nos civilisations, et ainsi de suite. Est-ce que l'astral peut manipuler la lumière? L'astral peut pas manipuler la lumière, mais l'astral peut colorer la lumière. Quelle différence ça fait dans la forme? Ça va empêcher l'homme de voir clair, d'être lucide. Donc un individu peut avoir la lumière, mais être soumis à de multiples interférences. Ouais. Okay. Mais est-ce qu'un individu conscient, dans le sens qu'on l'entend, là, peut vivre une forme quelconque de culpabilité à cause de la coloration? Ou s'il va voir à travers la culpabilité, mais il la subit quand même dans sa forme. Ça dépend de son niveau de conscience. Il peut voir à travers la culpabilité, mais la sentir encore un petit peu. Je pense que pour ne pas vivre de culpabilité du tout, là, il faut être très, très intelligent. Dans le sens aussi de puissant, là. Oui, oui. Intelligent dans le sens de puissance du mental, d'aligner dans le mental. Je parle pas des chiffres, l'école. Non. Très intelligent. Ça veut dire être capable de voir à travers les illusions que l'astral va créer, les reflets que l'astral va créer, là, d'un cas. C'est parce que je pose cette question-là, c'est parce qu'il y a des gens, des fois, qu'on rencontre qui souffrent d'une émotion, mais ils sont conscients de la stupidité d'en souffrir. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de le souffrir. Ouais, mais c'est parce qu'ils ne sont pas assez intelligents dans la volonté, leur souffrance. Si ces gens-là avaient de la volonté, il ferait sauter ça. Ils ont passé pas longtemps qu'on s'en prend un certain temps, ils vont l'avoir. Il va falloir qu'ils bavent encore, oui. OK. C'est encore une question de physique. C'est encore une question de transmutation des corps subtils. OK. On ne peut pas, disons, pour une personne comme ça qui est consciente de souffrir d'une émotion, on ne peut pas, en parlant de sa mémoire, lui donner la volonté. Mmh. Non, vous dites une chose qui est importante. Vous dites les gens conscients de l'émotion aussi, là. Les gens sont conscients de bien des affaires, mais ils ne sont pas intelligents. D'ailleurs, le mot conscience, on ne devrait même plus utiliser ça. Parce que tout le monde a une certaine conscience. Mais il y a bien des gens conscients, mais il y a très, très peu de gens intelligents. Être conscient, c'est pas nécessairement être intelligent. Être conscient, c'est avoir un éveil de la conscience. Tandis que quand tu es intelligent, t'es plus super à faire d'éveil dans la conscience. T'es dedans, tu travailles, t'en pètes, tu veux. Tandis que quand tu fais de la conscience, l'éveil de la conscience, j'étais allé aux Indes, j'étais allé là, puis j'ai choisi un maître là, puis j'ai lu un livre là, puis là je mets dedans, puis ça grouille, puis ça bouge, puis tu sens 10 000 vibrations. Voilà. Ça, c'est encore de l'éveil de la conscience. C'est pas de l'intelligence. Ça fait partie du processus qui va amener l'homme éventuellement à fracturer sa conscience planétaire pour entrer dans une conscience réellement universelle. C'est pour ça qu'éventuellement,
les gens qui sont les moindrement conscients dans le sens intelligent du terme, à un certain temps, dans un certain temps, dans un avenir là, qui s'en vient, là, ils vont être obligés de se séparer des gens en évolution de conscience. Parce que ça va être comme un gars qui a trois doctorats, là, qui t'y amène un petit gars qui était au kindergarten. T'sais? Fait que il y a une impulsion de donner, ainsi de suite, mais éventuellement, il va falloir que l'homme qui est conscient ou qui est en voie d'évolution de conscience passe la conscience, une fois pour toutes, à l'intelligence créatrice. Fait que moi, je connais bien des gens conscients là, partout dans le monde. Mais du monde intelligent d'abord. Est-ce que vous faites, là, c'est parce que j'essaie de voir la différence dans le sens du parler, de ce qui est conscient et de ce qui est intelligent. Est-ce qu'une personne consciente, dans le sens qu'on parle, c'est une personne qui se fait comme en thérapie constante face à son étude intérieure d'elle-même, tandis que la personne intelligente, elle, elle a saisi quelque chose et elle agit dessus? C'est ça la différence? La personne intelligente, créatrice, elle est en action dans le monde, alors que la personne consciente en évolution thérapeutique, comme vous dites, est en instance de divorce avec son ancien moi. Sans avocat. Ça peut être long. Donc, une personne qui souffre d'une émotion, qui l'identifie, qui la traite dans sa mémoire, peut entretenir finalement le jeu. Et l'individu intelligent, lui, qui agit sur sa souffrance, est-ce qu'il peut accélérer le processus par le fait de son action? C'est pas le même que ça marche. C'est pas le même que ça marche. Non. Je le savais bien, mais c'est le fun d'entendre dire. Non. Ça marche comment? L'intelligence, c'est le résultat de la capacité. Être intelligent, ben, au niveau de la conscience créatrice, c'est le résultat de la capacité. C'est pas une prémonition. C'est un résultat. Être intelligent créativement dans la conscience supramentale, c'est le résultat d'une capacité. Fait que, si on souffre, on identifie, puis qu'on décide d'agir. Si tu souffres, tu identifies, puis tu restes là, t'es pas intelligent. OK, puis on décide d'agir. Si tu souffres, tu identifies, tu fais sauter, c'est intelligent. C'est le résultat de. Mais est-ce que ça accélère? C'est sans importance. Parce que si tu parles d'accélération, tu parles de valeur normative en fonction du processus développemental de la conscience pour le produit, pour le bénéfice de l'individu en fonction de sa sagesse. Mais bon, c'est le résultat de... Autrement dit, si tu regardes un individu, puis tu sais que quand il arrive, il vit des événements dans la vie, puis il est fait sauter. Mm-hmm. Il ajuste sa vie, il met de l'ordre dans sa vie. Il met de l'ordre. Ça, c'est un signe d'intelligence créative. L'ordre. De l'ordre dans la vie, de l'ordre conscient. C'est-à-dire de l'application créatrice de ton mental dans la forme. C'est ça, de l'ordre. À ce moment-là, ça, c'est un signe d'intelligence. Et cet ordre-là est toujours en fonction de tes propres paramètres. Il n'est pas en fonction des paramètres de tout le monde. Mm-hmm. Ça, c'est un signe de conscience intelligente. C'est là que tu peux mesurer si un individu. Fait que c'est inutile à ce moment-là de dire, il progresse-tu? Il est déjà là. Quand il mettra un autre ordre demain, il sera déjà là. T'es déjà là. C'est pas que tu atteins ça. T'es déjà là. Parce que c'est une capacité. Mm-hmm. Sans ça, si t'étais pas déjà là, tu pourras pas le faire. OK. Une question qui vient avec ça. Est-ce qu'une personne qui veut faire de l'ordre, on parle d'une personne là, qui identifie un processus, qui veut faire de l'ordre, est-ce qu'à côtoyer des gens qui ont de l'ordre, là, j'étais pour prendre le mot accélérer encore, mais est-ce que ça lui fait faire de l'ordre plus vite? Ça peut l'aider à voir l'importance de l'ordre dans la mesure où il y a suffisamment de simplicité dans le mental pour pas que l'orgueil bloque la vision. Parce qu'une personne qui a de l'ordre doit avoir une vibration particulière. Une personne qui a de l'ordre a une vibration particulière, et en général, la vibration que cette personne-là a, c'est une vibration de simplicité. Ah, OK. Donc, ce qui crée du désordre, c'est la complexité. Comment un être peut être complexe?
Un être est complexe parce qu'il a tendance à voir dans son processus créatif une manifestation de son intelligence, au lieu de voir dans le processus créatif la confusion de son mental. Vous voulez dire que par l'introspection, il évalue son intelligence? Il évalue son intelligence par l'intérieur en fonction des conséquences extérieures. Donc, ça donne à la complexité de son processus créatif une valeur subjective. Puis éventuellement, il se brûle. Okay. Alors que l'intelligence, dans sa nature ultime, c'est très simple, l'intelligence. Ce qui est simple, c'est très simple. Ce qui est simple, c'est pas complexe. Mais ce qui est simple pour nous autres, souvent, c'est pas intelligent ou c'est pas le fun parce que c'est pas assez astralisé. Donc on met ça de côté. C'est simplement quand on a passé par le rouleau tordeur de l'initiation que là, on veut simple. Tranquille. Pas trop vite. Dans le temps. Avant, on a tendance à s'essouffler, puis on en veut de la conscience. C'est comme. On en met du poids sur un sandwich. Puis avec le temps, l'expérience, puis une certaine éveil de la conscience, mais c'est le contraire qu'on veut. On ne veut plus comme avant. Est-ce qu'une émotion, c'est complexe? Une émotion, c'est très, très complexe parce qu'une émotion, ça appartient à la fois à la mort et à la vie. Une émotion, ça fait partie du monde astral, ça fait partie du monde humain. Puis l'aspect mental de l'émotion, autrement dit, le processus identificatoire de l'émotion, fait partie de la réunion de l'activité astrale dans le mental et de la mémoire humaine. Donc, c'est très, très complexe, l'émotion. Une émotion, ça n'appartient pas simplement à l'homme, ça appartient à la fois au monde de la mort et à la fois à l'ego. Est-ce qu'il y a... Comme un torchon qui se promène entre les deux plans. Est-ce que ce lien-là est établi par un contrat entre le monde astral et l'être humain qui vit sur la planète? Est-ce qu'il y a un contrat astral entre les deux plans? Il y a un contrat astral entre le plan astral et l'âme. Dans la vie, il y a des expériences astrales qui peuvent naître de ce contrat-là. Et c'est dans la fonction de l'homme de se libérer de ce contrat-là. Et pour que l'homme se libère de ce contrat-là, bien, il faut qu'il soit mental, c'est-à-dire il faut qu'il soit libre de l'émotion dans le mental. Donc, ultimement, il ne faut plus qu'il y ait de culpabilité. OK. Vous avez dit une émotion, c'est complexe. Quand l'être devient simple, il n'a plus de rapport avec l'homme. Quand l'être devient simple, dans le sens occulte du terme, l'être ne fait plus partie du monde de l'homme, il fait partie du monde de l'esprit. L'âme demeure simplement le support tellurique pour l'organisation psychique de son moi sur le plan mental, afin qu'il puisse bénéficier temporairement d'une mémoire dans le monde humain. Mais une fois qu'il sort du monde humain et qu'il s'en va dans les terres, il n'a plus besoin de cette mémoire-là. Donc, il fonctionne sur un autre plan. L'âme, c'est de la mémoire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens mettent tellement d'importance dans l'âme. C'est l'esprit qui est important dans la conscience humaine, c'est pas l'âme. L'âme est nécessaire pour l'évolution de l'ego, l'âme est nécessaire pour la reconstruction des différentes périodes historiques de la personnalité en évolution, l'âme est nécessaire pour le développement de la conscience égoïque, mais ultimement, quand l'homme passe de l'évolution à l'évolution, quand l'homme entre dans sa fusion éventuelle, l'âme n'est plus nécessaire parce que l'âme n'a plus de fonction. Elle devient totalement nucléarisée, puis elle est mise en taux vibratoire avec l'esprit. Puis c'est ça, d'ailleurs, qui crée la fusion. Donc, tout ce qui est au niveau, tout ce qui est autour du noyau, le périsprit, l'âme, l'inertie égoïque, est éliminée. Donc, à ce moment-là, bien, si on regarde l'individu, bien, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de mémoire personnelle, on s'aperçoit qu'il ne fonctionne plus au niveau des émotions naturelles, on s'aperçoit qu'il est un petit peu différent du monde. Mais dans le fond, c'est pas qu'il est différent du monde, c'est qu'il est plus loin que l'humanité en attendant, que l'humanité avant. Mais s'il est suffisamment balancé, mais ça paraît pas trop, qu'il fait partie d'un autre temps, ça se balance, là, parce que l'énergie est suffisamment intégrée. Mais ça, c'est l'évolution de l'homme. Il n'y a pas un homme qui évolue pareil, il n'y a pas un homme qui est fait pareil. Les hommes vivent des grandes craintes. Tu sais, je dis souvent, les initiés n'ont pas de mérite, puis les hommes ont plus de mérite que les initiés, parce que les initiés sont comme fondus sont pris par surprise à un certain temps de leur vie.
puis là, ils sont forcés à aller dans une certaine direction. Puis éventuellement, il équilibre ça, il balance ça. Tandis que l'homme, il est obligé de passer de l'ignorance, l'inquiétude, l'incrédulité, le choc, pour en arriver à une certaine conscience. Fait que l'homme a beaucoup plus de mérite que l'initié. L'initié, il a une face. Son mérite à l'initié, c'est pas sur la terre, c'est sur les autres planètes. Il vient ici, puis il est prêt. Ah ouais, non. Tandis que l'homme, lui, il n'est pas prêt, mais il devient prêt. Mais ça prend des initiés pour expliquer ces voies obscures-là. Mais par contre, les hommes, en tout cas de mon point de vue, ont plus de valeur que les initiés, plus de mérite que les initiés, parce qu'ils sont constamment confrontés par le doute possible. Tandis qu'un initié, il n'y a pas de doute. L'initié, c'est la force pure au niveau du mental. Un initié au niveau du mental, c'est comme un Rambo au niveau physique. Ça ne clique pas, ça ne casse pas. Que ça rencontre des que ça vienne en contact avec des entités, n'importe quoi, des intelligences d'autres planètes. Un initié, ça ne marche pas. Ça ne clique pas, ça n'a pas de doute, ça n'a rien. En tout cas, les initiés que je parle. Bon, ceux-là. Alors que l'homme, lui, qui n'a pas le bénéfice de la fusion de sa propre lumière, mais il s'en va vers ça. Il y a une grande valeur, il y a un grand mérite. Pour le travail. Pour se décomplexifier, finalement. Pour se rendre plus simple, puis pour voir à travers les instructions ou les enseignements ou ce qu'un initié peut dire. Parce qu'un initié, quand ça parle pas pour tout de suite. Ça parle toujours pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils sont bons, c'est long shot. Ça désengage l'ego. Alors, pour qu'un homme avance dans ça, puis en arrive à sa propre conscience, tout ça, c'est vrai. Mais est-ce que la force de l'initié dont vous parlez, c'est sa simplicité? On parlait de simplicité comme étant finalement le résultat d'un état d'intelligence ou de conscience. Est-ce que c'est le fait de cette simplicité-là qui fait que l'initié a cette force où il peut traverser le temps? Non, la force de l'initié, c'est pas sa simplicité. Sa simplicité, c'est simplement la conséquence de ce qui c'est. De ce qui c'est. Parce que on peut se mettre simple, tu sais, il y a des... C'est un autre habit que tu peux te mettre, la simplicité, puis avoir l'intérieur bien orgueilleux, tu sais. Tu te mets simple, tu sais. Okay. Puis en dedans, ça peut péter du feu d'orgueil. Mais la simplicité d'initié, c'est que l'initié connaît tellement la nature de l'intelligence, d'où ça vient. L'initié, quand même, c'est un homme qui est en contact avec l'invisible. Donc, il connaît tellement la game qu'il peut pas jouer de game. Pas chercher une solution pour... Le fait qu'il ne peut pas jouer de game, le fait qu'il sait d'où vient la pensée, comment est-ce que ça marche, ainsi de suite, mais quand même qu'il vivrait ou qu'il véhiculerait n'importe quoi sur le plan matériel, il est toujours conscient du rapport étroit avec l'invisible, que tout vient de l'invisible, ainsi de suite, qu'il est simplement un outil dans le monde, comme les hommes sont un outil dans le monde. Fait que sa simplicité, c'est une conséquence de ce qu'il sait. C'est pas une attitude positive, biblique. Comme une personne émotive qui voudrait s'éliminer de la souffrance, en pensant qu'elle, en se simplifiant, elle se libérerait, c'est une illusion. Non, parce qu'elle se créerait des attitudes. Est-ce qu'il y a une solution pour les émotions, à part de le souffrir jusqu'au physique? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'individu doit a priori prendre conscience? Pas qu'il se prenne au sérieux. Tout simplement. C'est tout. Merci beaucoup, Bernard Montréal.